avec tout haïtien bien pile qu'est-ce que bien pile qu'est-ce que d'abord pour me garder une hand qui gagne en conseil présidentiel avec un gouvernement pendant que bon à côté à ville d'ici qui fait obligation pour la tête pays à yo diriger pour exécuter en fin de route yo pari tant pile temps transition gagne 5 chantiers là-dedans et sous chaque chantier ça yo moi n'a pimpiné sous chantier sécurité nous tout vrai bagaille là n'a fait bac pas gagner territoire perdu ou reprendre au contraire nous perdre notre territoire nous penser que tout le monde voit que il y a plus d'insécurité dans le pays aujourd'hui. Tout le monde voit que force Kenya yo pas capable résultat en pile monde qui saute les n'a regarder pour nous c'est parti chikine et il y a des pays qui pensent au venir de nous et puis qu'a voyer 5 monde 10 monde 15 monde ça pas qui saute d'autant plus que nous pas l'impression que un plan de sécurité homogène et nous senti pas coordination avec force police là avec force armée d'Haïti au niveau chantier sous sécurité là n'a pas pépiné nous pas penser. Deuxième chantier de transition c'est redressement économique et réhabilitation des infrastructures. Pas qu'à gagner redressement économique, c'est pas gagner sécurité. Pas qu'à gagner réhabilitation des infrastructures. Au contraire, infrastructure pays a aujourd'hui que nous avons reconstruit qui ça nous met toute l'école occupée aujourd'hui par des déplacés, monde qui est obligé de quitter la caillou parce que bandi en vaillou. Nous avons tout l'hôpital pas qu'à fonctionner. Nous avons l'école tourner sans réfugiés. Nous ne pouvons pas parler de réhabilitation d'infrastructures ni de développement économique, ni de redressement économique. Donc, deuxième chantier, ça n'a pas marché. Troisième chantier, c'est qui s'allie? C'est justice et état de droit. Bon, commission vérité et justice qui fait, nous sentons les morts pour qui ça? C'est que nous sentons que la société a critiqué depuis à la papote. Et depuis là, nous pas attendre. Quatrième chantier, c'est conférence nationale et question constitutionnelle. Bon, comité pilotage qui monte. Nous connaissons, nous avons des informations qui avancent. Moi-même, c'est vidéo. Moi, d'accord, tout le monde a un coup de main dans la question constitution, qui c'est, dans un domaine que j'ai 15 ans, que m'a réfléchi sur lui. Nous avons une bataille que mené dans la Chambre des députés pour un amendement constitutionnel. Donc, nous pensons que le chantier, ça, a commencé, mais nous avons aimé aller plus vite. Et dernier chantier qui s'est allié, c'est l'élection. Pour faire l'élection, il faut gagner CEP. Or, CEP a beaucoup complet. Nous connaissons deux membres qui manquent. Or, nous connaissons tout que machine électorale, là, tout cadre dans CEP, en pile professionnel, qui a expérience dans l'élection dans CEPA, il y a un parti qui est payé, un pile parti dans Biden. Ça veut dire même staff, conseil électoral là, pour qu'on constitue. Donc ça veut dire que je fais avec nous, son panorama me fait avec nous, font radiographie de situation. Nous prenons 5 chantiers, qui c'est 5 chantiers de transition. Hein. C'est eux-mêmes qui prévoient un accord politique pour transition pacifique et ordonnée. Donc depuis nous regardons, nous voyons que nous avons fait back, nous sommes très en retard, et nous sommes très inquiets, nous lançons, nous pinga. Et me lancer tout, yon appel. Yon appel parce que me voyez des autorités au plus haut niveau, pour yon prendre compte que yon connaît, yon là, pour servir à un cas historique, côté nous besoin de mettre tête ensemble pour exécuter près de nous, ça gagne 5 chantiers, ça. Et me lancer yon, on pinga tout pour me dire, nous-mêmes, nous pas prendre éternellement que yon bah, résultat. Bon, le privé, nous t'ai toujours dit, nous pas bailler au chèque en blanc, nous pas l'obliger juger yon sous performance yon. Et yon, doué lever pied bien vite, parce que jusqu'à présent, tant que les pays ici ont gagné de eux-mêmes, et nous pouvons gagner. Quatre mois de gouvernance, confrontation, je dis à Pierre Blanc, à travers la sous-secrétaire d'État américain, à l'école, si on dit que la politique est intérieure, qui est-ce qui devrait l'initiative là? Surtout les gars qui ont échangé en fait là, et CPT a voulu l'aide, ou Mathieu a voulu l'aide, qui est-ce qui devrait l'initiative là? Au moins, nous calmer le temps sur l'autre et réduire ces situations, notamment les citoyens. Bon. Son exécutif bicéphale que nous avons, ça veut dire que son logique de cohabitation entre un premier ministre, chef gouvernement, et un conseil présidentiel qui a pris une fonction présidentielle. Donc, c'est Mounsayo qui doit mettre tête ensemble pour exécuter faire de route que vous avez signé d'accord pour lui. Pas de aucun autre monde encore. La question que moun de yon, étranger, a venu ça pour faire. Non, c'est conscience patriotique, c'est sens responsabilité, c'est le fait que vous acceptez la position ça yo, qui fait que nous-mêmes nous demandons de lever pied parce que l'air passé nous à moins que 500 jours de 7 février 2026 qui date ça. Son date côté un nouveau président élu qui a censé prêter serment. Or, qui ça en transition yon? En transition, c'est bataille pour retourner sur la constitution. Nous besoin des élus légitimes, magistrats, députés, sénateurs, présidents, qui connaissent pour faire réforme mieux à partir de la prochaine élection. Donc là, nous ne pouvons pas arrêter un peu de temps. Donc, l'important, c'est pour ça que nous lançons et on rel, et puis on pinga,
pendant que Dio reprenne, il faut qu'on soit là. Mais nous attendons, nous pouvons voir.